Et bonjour à tous, c'est Volfid. Aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats du concours Pokémon. Mais avant, j'ai des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles à vous donner. Alors, on va commencer par la mauvaise nouvelle. Je fais un concours Pokémon, voilà, c'est pour faire gagner des cartes à tout le monde, ça me fait plaisir. Mais il faut jouer le jeu. Voilà. Je suis désolé, il y en a certains d'entre vous que je n'ai pas sélectionné parce que, au lieu de me mettre un petit commentaire sympa, tout ça, ils m'ont juste marqué Super Ball, par exemple, et c'est tout. Donc je ne les sélectionne pas. Je n'ai pas sélectionné ceux qui n'auraient pas respecté le règlement en choisissant deux balles au lieu d'une seule balle. Le règlement il est clair, vous n'avez le droit qu'à une seule balle. Je n'ai pas sélectionné non plus les gens qui sont pas capables de faire une phrase sans me faire une faute d'orthographe à chaque syllabe. Je suis moi-même pas un expert en orthographe, mais j'estime que si vous voulez participer au concours, il faut faire un minimum d'efforts. Si vous m'écrivez et que c'est incompréhensible, je suis désolé, je ne vous sélectionne pas. Quand je vois des participants qui font des fautes d'orthographe, ne serait-ce que sur le nom des bols à choisir, alors qu'elles sont marquées dans la description, c'est qu'ils n'ont même pas fait l'effort de lire le règlement. Voilà, donc je suis désolé, toutes ces personnes-là n'ont pas été sélectionnées pour le concours. Voilà. Maintenant, on va passer aux bonnes nouvelles. Alors, première bonne nouvelle, j'ai reçu ma Mystery Box, voilà, elle est là. J'ouvrirai ça plus tard. Deuxième bonne nouvelle. Jérôme Roy s'est manifesté. Je lui ai envoyé donc ses cartes. Voilà, donc c'est super cool. Voilà, le premier vainqueur des concours va recevoir ses cartes sous peu. Voilà, j'ai envoyé ça en lettres suivies, tout ça. Et j'en ferai de même avec les gagnants d'aujourd'hui. Pourquoi je dis les gagnants aujourd'hui? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va faire deux tirages. Un premier tirage avec toutes ses bols. Ensuite, je mettrai sur pause, mon colocataire va déplacer le post-it gagnant, tout ça, et on ferait un deuxième tirage. Alors, pourquoi je fais deux tirages aujourd'hui? Tout simplement pour fêter le fait que maintenant, nous sommes 200 abonnés sur la chaîne. Donc, écoutez, je vous remercie d'être là, je suis très content. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux sur la chaîne aussi vite. Et malheureusement, j'avais rien de prévu pour les 200 abonnés. J'ai déjà eu du mal à avoir la Mystery Box pour les 100 abonnés. Vous savez que j'ai un petit budget, moi, pour faire les vidéos. Je ne suis pas encore monétisé ni rien. Aujourd'hui, il y aura deux gagnants. Donc, deux d'entre vous gagneront chacun 10 cartes. Voilà. Je vous conseille de surveiller la chaîne. Je vais faire un autre concours au mois de décembre. Voilà, je vous le tease dès maintenant. Qui sera très différent de ça. J'ai quelques billes Pokémon, je vous dirai les billes que j'ai, je vous dirai quel Pokémon apparaît sur les billes, et vous choisirez tous un Pokémon parmi ces billes-là. Je ferai donc un tirage, je mettrai les billes dans un carton, je mettrai la main, je sortirai les billes au hasard, et celui-là qui trouvera le bon Pokémon gagnera exceptionnellement pour le mois de décembre 20 cartes, plus 2 cartes japonaises. Voilà, je referai une vidéo là-dessus. Mais voilà, pour décembre, je ferai donc un jeu exceptionnel et un gain exceptionnel pour fêter la fin d'année. Voilà. Alors, je ne vais pas vous faire plus attendre. Dès maintenant, on va commencer ce tirage au sort. Alors, on va commencer par Froli. Excusez-moi si j'écorche vos noms. Hein. Qui a choisi l'hyperbole? Eh bien, c'est parti, l'hyperbole est ici. Allez, bonne chance à toi. Ah, malheureusement, tu as perdu, je suis désolé. N'hésite pas à revenir à rejouer, il va y avoir d'autres concours sur la chaîne. Hein, c'est pas parce que vous perdez aujourd'hui qu'il ne faut pas venir jouer. Chacun d'entre vous a sa chance. Retentez, tant que vous êtes abonné, que vous likez la vidéo, que vous mettez un petit commentaire sympa, jouez, 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 vous avez le droit. Alors, deuxième candidat qui a été sélectionné. Alors, vous savez que vous avez été nombreux à sélectionner des bols, donc je vous ai tiré au sort. Malheureusement, je ne peux pas faire gagner tout le monde. Hein. Donc, le prochain, c'est Dark Matter. Avec la niveau ball. Alors la niveau ball, c'est celle-ci. Bonne chance à toi. Ah, je suis désolé, tu as perdu aussi. Je suis navré. N'hésite pas à rejouer aussi. N'hésite pas à rejouer. Je suis désolé, j'aimerais bien faire gagner tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas. Hein. On va passer à Angélique Leler qui a choisi la love ball. Je te souhaite bonne chance. C'est une de mes plus vieilles abonnées. Elle est toujours là, elle met des petits commentaires sympas et tout. Et je suis désolé, tu as perdu cette fois encore. Décidément, ça fait deux fois que tu as la chance d'être tiré au sort. Ça fait deux fois que tu perds. Je suis navré, Angélique. Retente ta chance, n'hésite pas. On va passer à Pokémike. Pokémike qui a choisi la Pokéball. Bonne chance à toi.
Et oh là là, elle a explosé celle-ci. Alors, je suis désolé, tu as perdu aussi. En plus, tu m'as explosé la balle. Voilà, je suis navré, tu as perdu toi aussi. N'hésite pas à rejouer aussi. Vous le savez, hein, voilà, le jeu il s'arrête pas là. Rejouer, rejouer, rejouer les concours. Tant que vous êtes abonné, que vous likez les vidéos, vous mettez un petit commentaire sympa, vous avez le droit de jouer. Exceptionnellement, cette fois-ci, vu qu'on était 200 abonnés, j'ai pas vérifié si tout le monde avait mis le pouce bleu. Je sais que non, hein, voilà. Mais c'est pas grave, je vais quand même tout sélectionner quand même pour cette vidéo aussi. Alors maintenant, on va passer à Baptiste. Baptiste qui a choisi la Rapid Ball. Bonne chance à toi, Baptiste. Et tu as perdu aussi. Décidément. Bon, donc la balle gagnante, c'est la Super Ball. Et la Super Ball, c'est Minato qui a été sélectionné au tirage au sort. Tu as eu de la chance, hein, vous étiez nombreux à avoir choisi la Super Ball. Donc, ben, Minato, sans surprise, tu as gagné. Voilà. Et tu as gagné donc 10 cartes Pokémon que je vais te montrer tout de suite. Ouais, elles sont juste là, elles sont déjà prêtes. Alors, dans la section des Reverse, tu as gagné un Chamallow de Pokémon Go. Ce n'est pas un métamorphe, hein, c'est un Chamallow Reverse. Tu as gagné un Guériland Reverse de Origine Perdue. Tu as gagné Mademoiselle d'Origine Perdue aussi. Spectreval, qui est une jolie carte. Tu as gagné Polarum. En Nowhere, tu as gagné Arcanin de Hishui, qui est une jolie carte aussi. Blizzeval, d'Origine Perdue. Tu as gagné dans les Trainer Gallery, Graiena. Dans la section DV, Goroutan. Et dans la section DV Max, tu as gagné Maconeur. Donc écoute, Minato, je t'invite précipitamment à me contacter via mon adresse mail qui est dans la description. Pour qu'on s'arrange, que tu me donnes ton adresse ou un point relié comme tu veux pour que je puisse te faire parvenir tes cartes le plus vite possible. J'ai déjà les lettres, j'ai déjà les thèmes, j'ai plus qu'à marquer ton adresse et t'envoyer tout ça. Voilà. Pour les autres, je suis désolé que vous ayez perdu à ce tirage. Mais restez quand même dans la vidéo, il y a un deuxième tirage. Je vous ai tous retirés au sort, donc peut-être que certains d'entre vous qui ont été tirés ici seront là, peut-être que non, je ne sais pas. Je vais voir le colocataire, le temps qu'il déplace les post-it, savoir qui va gagner. Vous savez que moi, je ne sais jamais quel bol est la gagnante ou la perdante. Ce n'est pas moi qui mets les post-it dans les bols, pour pas qu'il y ait de favoritisme. Voilà. Allez, à tout de suite, les amis. J'espère que ça n'a pas été trop long, enfin, pour moi ça a été long, pour vous c'était juste sur pause. Voilà, ça y est, c'est fait, les balles ont été réinitialisées, je ne sais pas quelle est la balle gagnante, quelle est la balle perdante. Mais c'est parti pour un nouveau tirage au sort. Alors, celui qui a été sélectionné pour la Love Ball d'un tirage au sort, excuse-moi si j'écorche ton nom, c'est Crafteika. Désolé si j'écorche ton nom, des fois vous avez des pseudos un peu chelous, hein. Donc tu as choisi la Love Ball, ben c'est parti, on va voir. Tu as perdu, je suis désolé. N'hésite pas à rejouer aussi, hein, vous le savez, rejouez tous. La personne qui a été choisie aussi au tirage au sort, c'est Nova Heim. Je sais pas si je dis bien ton nom, donc c'est Nova, plus loin A-I-E-M, Nova Heim. Tu as choisi la Pokéball qui est ici. Bonne chance à toi. Tu as perdu aussi. Eh ben, décidément, on n'arrivera jamais à avoir un gagnant de suite. Hein. Alors, celui qui a été tiré au sort pour la Super Bowl, c'est un nouvel abonné. Hein. Il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés sur cette vidéo. Je suis très content. C'est Zonzon. Zonzon, tu as choisi la Super Bowl. Bonne chance à toi. Eh, tu as perdu. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. J'aimerais tellement vous faire gagner tous et tout. Ça m'énerve. Alors celui qui a été tiré au sort pour l'Hyperball, vous avez été pas mal à choisir l'Hyperball, mais il y en a un qui a été éliminé sur l'Hyperball, je vous le redis. Vous ne demandez qu'une balle. Essayez de faire des phrases cohérentes. Ce n'est pas, alors je vous le dis aussi, ce n'est pas la peine de marceler dans les commentaires, de râler quand quelqu'un a choisi la même balle que vous. Ce qui se passe, c'est que vous sortez du concours, hein, voilà. Donc celui qui a été choisi pour l'Hyperball, c'est Dédé Lagacé. Qui le pauvre s'est mangé un commentaire de la part d'un autre abonné que je n'ai pas du tout apprécié. Cette personne a fait un commentaire que j'ai pas du tout apprécié, a choisi deux balls, ce qui est contre le règlement, et n'est pas capable de faire une phrase sans me faire une faute par syllabe. Donc il a été éliminé d'office. Bah du coup, grâce à ça, Dédé Lagacé, c'est toi qui es choisi pour l'hyperball. Je te souhaite bonne chance. Et c'est perdu, eh ben décidément. Je suis navré d'aider. N'hésite pas à rejouer aussi. On va passer à Rono Ake.
Excuse-moi si j'écorche ton nom. Toi, tu as choisi la Niveau Ball. La Niveau Ball, c'est laquelle déjà? Que je me trompe pas. C'est celle-ci. La Niveau Ball. Je te souhaite bonne chance. Et ben, tu as gagné. Voilà, donc, pareil que Minato, je t'invite à me contacter au plus vite via mon adresse mail qui est disponible dans la description. Voilà, présente-toi et compagnie. Donc, tu as gagné 10 cartes Pokémon que je vais te présenter tout de suite. Donc, félicitations à toi. Désolé pour tous ceux qui ont perdu. N'hésitez pas à rejouer, hein. Il y aura d'autres concours. Il va y avoir un concours spécial à Noël et tout. Donc, n'hésitez pas à rejouer. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le temps que je lui montre ses cartes qu'il a gagnées, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à partager les vidéos sur vos réseaux sociaux, ça aide énormément la chaîne. Voici les cartes que tu as gagnées. Alors, dans la section des Reverse, tu as gagné un joli Étourmi, un Élector Hollowear de Pokémon Go, un Victini, un Sinistrel, un Smarceus, et viens là, un Florizarre de Pokémon Go Hollowear, un Régigigas Hollowear. Je n'avais plus Trainer Galerie, c'est pour ça que tu as un peu plus de Hollowear et tu as une carte V spéciale, toi. Hein. Tu as un Noix de Coco d'Alola, un Gorythmic et tu as un Zoroark de Wishui Vistar d'origine perdue. Voilà. Vous le savez que je vous garantis toujours, toujours, toujours au moins 2 V, 5 Reverse, 2 Hollowear. Après la Trainer Galerie, bah, ça dépend si j'en ai en double, si j'en ai pas en double. Et à ce moment-là, bah, comme pour Renoak, excuse-moi, vous pouvez gagner des cartes V-Star ou plus d'Hollowear, etc. Je fais en fonction de ce que j'ai. Voilà, donc n'hésitez pas à rejouer. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a échappé. Alors, surveillez bien la chaîne. Début décembre, je vais ouvrir une display Tempête Argentée complète. Je ne sais pas encore si ça va être la première, deuxième semaine de décembre, parce que je dois monter sur Paris quelques jours, où je vais acheter des jeux Pokémon rétro pour ma collection. Mais voilà, au mois de décembre, il y a un concours spécial qui débarque. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. N'hésitez pas à venir, à bien lire ce que je vous dirai dans les commentaires, etc., etc. Surtout, respectez le règlement si vous voulez gagner. Maintenant, nous sommes 200 abonnés actuellement sur la chaîne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a deux gagnants. Pour les 200 abonnés, je n'avais rien de prévu du tout. Voilà. Donc, ben écoutez, on va faire un FAQ. Donc, je vous encourage tous à poser un maximum de questions dans cette vidéo, dans les commentaires, sur ce que vous voulez, voilà, sur ma vie perso, sur ma vie professionnelle, sur mes collections d'animes, de mangas, de cartes, tout ce que vous voulez. J'essaierai d'y répondre au mieux. Quand j'aurai pas mal de questions, voilà, je ferai une vidéo hors série spéciale où je répondrai à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Creusez-vous la cervelle, posez-moi des questions intelligentes, hein, si c'est pour me demander quelle est ma couleur préférée, on s'en bat les couilles. Voilà, ça sert à rien. Voilà. Mais voilà, profitez-en. Ça serait une petite FAQ sympa. J'essaierai de me filmer moi en direct parce que ben, malheureusement, je n'ai qu'une caméra, hein, je n'ai que mon téléphone pour filmer. Voilà, vous savez que je suis une chaîne YouTube débutant. Je fais tourner ma chaîne avec 100 à 150 euros maximum par mois. Donc je suis obligé de me débrouiller pour trouver des bons plans sur les Pokémon, etc. Voilà, là, ce mois-ci, vous n'aurez pas beaucoup d'ouverture des sets récents parce que ben, j'ai acheté une Switch OLED Pokémon. Je vais acheter les deux jeux Pokémon. Donc mon budget du mois Pokémon, il est éclaté. Voilà. Et au mois de décembre, pareil. Mais je ferai quand même la display au mois de décembre. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que, contrairement à d'autres YouTubeurs, sur ma chaîne, vous ne mangez pas de l'origine perdue en boucle avec des ETB de fou, des displays ouvertes à gogo, etc. etc. Je fais avec mes moyens, voilà, je suis quelqu'un de normal comme tout le monde. J'ai mes difficultés financières, j'ai mes avantages financiers comme tout le monde, ça dépend des mois. Et je fais au mieux bah, pour vous faire le plus plaisir possible. C'est pour ça qu'en retour, quand je fais des concours Pokémon, je pourrais vendre les cartes et me faire des sous avec les cartes, acheter d'autres cartes. Mais non, je préfère vous faire plaisir, vous les offrir. C'est pour ça que je vous demande un minimum de respect dans les commentaires, de me faire des petites phrases, de parler dans les commentaires, voilà, vraiment de faire un effort. On est là pour partager une passion, je suis là pour vous faire plaisir. J'attends de vous un minimum d'effort de ce côté-là. Voilà. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. On se revoit très très vite pour l'ouverture de la Mystery Box qui devait être pour les 100 abonnés. Bon, elle sera pour les 200, je suis désolé, hein, c'est les aléas. Hein. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Bravo aux vainqueurs. Je vous rappelle, Minato, Roanake,
contactez-moi au plus vite via mon adresse email qui est dans la description, via Facebook, comme vous voulez. Contactez-moi pour que je puisse vous envoyer vos gains le plus vite possible. Allez, bye bye les amis et portez-vous bien.